Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Sonaki. Oui, Sonaki qui est en train de répondre à Marie-Jeanne Tabo. Où elle est en train de clasher et elle est en train de donner sa réponse à Marie-Jeanne Tabo. Vous voyez, j'ai mal de voir les mamans. Si tous nos grandes soeurs, nos mamans qui sont sur la toile, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont là en train de se clasher, qui ne sont pas prêts pour envoyer un message de sensibilisation, envoyer un message de réconciliation. Moi, j'ai tellement mal de voir ces mamans-là en train de vraiment se faire humilier, quoi. Parce que je ne peux pas comprendre que une mère qui est sur les réseaux sociaux, qui insulte sa camarade, qui est prête à vilipender à cause de quoi? L'autre dit je supporte Laurent Gbagbo, l'autre dit je supporte Charles Blé Goudé. Donc on voit vraiment des choses qu'on ne peut pas attendre. C'est eux qui sont les premiers à se clasher, à se détester, jusqu'en parler même de leur partie intime. Ah franchement, où va le monde? Où va le monde? Je ne peux pas comprendre. Moi, ma mère, qui est sur les réseaux sociaux, qui passe son temps en train de clasher sa camarade femme et rentrer dans la partie intime de sa camarade. Et aussi, et puis je suis là, je vais regarder, puis je vais dire, ah maman, vraiment, ce que tu as fait là, vraiment, je te félicite. Moi, je pense que c'est, on appelle ça humiliation totale. Parce que si tu es en train d'insulter ta camarade, c'est que tu es en train d'insulter. Mais Marie-Jeanne Tabo, souvent je suis cette dame-là. Elle, la fois dernière, elle a fait une vidéo où elle a insulté Sonaki et où elle a dit aussi que ils n'ont qu'à arrêter d'insulter Laurent Gbagbo. Mais dans vos passés, celui que vous avez insulté, il est toujours au pouvoir. Mais vous n'avez pas vu ses parents, vous n'avez pas vu ses partisans en train de vous répondre pour dire non, qu'arrêtez de l'insulter. Eux, on vous a laissé. Vous avez fait, même aller envoyer les gens, aller profaner la tombe de sa mère. Mais aujourd'hui, si quelqu'un se lève, il parle de Laurent Gbagbo, on dit, oh, c'est un traiteur, Gbagbo n'est pas vos camarades, Gbagbo n'est pas ceci. Mais vous-même, hier, vous avez insulté ce monsieur qui est papa ado. La famille, voici la réponse de Sonaki sur Marie-Jeanne Tabo. Voici sa vidéo. Elle ne connaît pas Sonaki en vrai. Elle m'a jamais vu. Voilà. Mais Marie-Jeanne Tabo est rentrée dans mon con jusqu'à elle est sortie. Pendant qu'elle-même est la con aussi. Toi, tu vas dire que oui. Les injures là, on a oublié ça date de longtemps. On n'a pas oublié. Injures, tu as insulté en 2020, en 2021, 2022 là. Les réponses vont suivre. Au fur et à mesure que les jours vont avancer là, il y a certaines personnes qui vont venir te répondre, tout simplement. Donc toi, tu ne connais pas une personne, tu l'as jamais vue, et puis tu rentres dans son compte, tu sors. Pendant que le même con là, tu as aussi, Marie-Jeanne Tabo, c'est toi qui as venu parler de la team Charlie. C'est toi qui es venu parler des filles de Saïwa en disant qu'elles viennent sans des broussades. Toi, tu es quoi? Tu es qui? Tu mets perruque comme ça, on dirait dessin animé. On dirait les Mac Pécho. Tu connais Mac Pécho? Tu ressembles à Mac Pécho quand tu mets perruque là. Tu es vilaine. Ça me plaît que tu reconnaisses aujourd'hui que tu es une vilaine femme. Tu es vilaine d'extérieur, vilaine d'intérieur. Tu n'as aucun charme. Comment on peut être laide comme ça? Eh, ceux qui t'entourent aujourd'hui là, ils t'appellent souris Musarelle. Ceux avec lesquels tu es ami aujourd'hui là, ils t'appellent souris Musarelle. Quand ils étaient dans la team Charlie là, ton petit nom là c'est souris Musarelle. Je te l'informe. Tout simplement. Vilaine femme. C'est toi comme ça là. Je vais vous donner le titre de ma vidéo tout à l'heure. C'est toi vilaine comme ça. Toi tu avais donné conseil à Charles Blé Goudé. Toi tu es qui? Une menteuse comme toi, une inventeuse comme toi. Toi tu livres. La femme qui t'a permise, Niabi Léa, bisous claqué. Comment dirais-je, Yoro, bisous claqué au tep. Toi, tu livres celle qui a permise. Toi, tu puisses rencontrer Simone et Yvette Gbagbo. Tu la livres à la vindicte populaire. Et puis, c'est toi qui viens t'asseoir pour dire n'importe quoi. On peut être vilaine comme ça. Oui, tu le dis et puis tu l'as dit haut et fort. Oui, Sonaki est féticheuse, Sonaki est sorcière. Oui, je suis une sorcière, je le reconnais. Oui, je suis une féticheuse.
C'est mes ancêtres, je reconnais. Moi, au moins, cela, je n'invente pas. Je ne mens pas sur Dieu en disant que oui, Dieu m'a donné inspiration de faire, comment on appelle ça? Une messe d'action de grâce. Et puis, quand j'ai fini de faire messe d'action de grâce là, au bout de 2 ou 3 mois, je m'avais insulté mon icône. Moi, je ne fais pas ça. C'est toi qui es venu parler ici. Hein? Ça est dans la vidéo, ça est là. Quand je clique et puis je vais sur ma page YouTube là, ça est là-bas. Je vais faire écouter petit aux gens. Toi qui traques les filles de Saïwa, de broussade, oui, de broussade, de n'importe qui, d'insulteuse, ma chérie, c'est toi. Et t'appelles même pas ma chérie même, ma vilaine. C'est toi Marie-Jeanne Tabo. C'est toi qui es l'insulteuse. Toi, tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais vu en vrai. Oui. Mais à cause de ton groupe appelé là, les groupes des durs là, c'est vous tous, vous êtes retrouvés aujourd'hui dans la médiocrité, dans la méchanceté, dans la méchanceté gratuite. Vous vous sentez bien là-dedans. Dans tout ce qui est mauvais, vous êtes mentalement instable. C'est quand tu es mentalement instable que tu as le courage de rentrer dans le sexe de ta camarade femme pour l'injurier. Tu as déjà vu mon con? Marie-Jeanne Tabo. Tu m'as déjà vu en vrai? Non. Tu m'as jamais vu. Mais tu as insulté mon con. Même con que j'ai ici là. Tu as le même con en bas de toi, Marie-Jeanne Tabo. Mon même clitoris qui pend ici là, c'est le même clitoris qui pend dans pour toi. Et puis garçon, tu as pris footballeur. Il est venu arroser un peu. Tu lui as donné le baisse et puis il est parti. Il allait marier en tierce pour te laisser. Tu es cinglé, tu es dégringolé. Tu étais plus grosse que moi, Marie-Jeanne Tabo. Tu allais faire bypass, tu as maigri. Donc pour toi, quand tu vois Sonaki là, ma forme là, je l'assume. Hein? Oui, je l'assume. Moi là, j'ai mis à nos. J'ai mis à nos, j'ai devenu comme ça. Mais je suis tombée enceinte et puis j'ai enlevé l'anneau. Voilà. Donc, ce dans quoi tu es là, je suis plus en avance que toi, ma chérie. Ce dans quoi tu es là, bypass, la salive, mettre anneau, tout ça là, je connais. Comment ça se passe? Où tu es là, tu es mentalement stable. Parce que quand tu fais le bypass, tu dois prendre des vitamines. Donc, les vitamines là, quand tu ne les prends pas, parce que tu ne peux pas manger toutes les nourritures. Voilà. Tu ne peux pas manger toute la nourriture. Parce que tu as été scellé d'une manière. Ça fait que psychologiquement, là, ton mental, il a zéro. C'est pour cela que tu divagues là. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas au milieu. Tu es partout au même moment. Prends des vitamines. Est-ce que tu vois ton médecin? Ton médecin qui t'a fait l'opération, là, est-ce que tu le vois? Est-ce que dans 2 jours, même, tu te regardes? Physiquement parlant, est-ce que tu te regardes? Comment tu es devenu? Hé! Ma forme de grosse ici, là, je l'assume. Mmh. Je l'assume. Je suis une femme comblée. Mmh. Je ne suis pas mentalement cinglée. Mmh. Ton cinglé qui est sur toi, là, il faut garder pour toi seul. C'est toi qui as venu traiter les filles de Saïwa, de Broussade. Oui, Charles Blé Goudé, je vais te parler. Oui, aujourd'hui, là, on n'insulte plus. On insulte! Quand tu insultes les filles de Saïwa, là, elles vont faire vidéo. Elles vont t'insulter. Ça n'a rien à voir avec les vidéos d'accompagnement de notre président Charles Blé Goudé. Si tu fais une vidéo que tu insultes Sonaki, Sonaki va venir. Elle va t'insulter. Ça n'a rien à voir avec les vidéos d'accompagnement de Charles Blé Goudé. Toi-même là, tu as insulté Maman Simone avant-hier ici. C'est toi encore. Tu as fait messe d'action de grâce pour Maman Simone. À cause de ça, moi tu m'as insulté. Moi-même là, tu es rentré dans mon clitoris quand tu es ressorti. Tu dis dans mon clitoris est percé. Tu ne me connais pas, hein? Tu ne m'as jamais vu en vrai. Mais tu sais que mon clitoris est percé. Comment tu le sais? Tu as pris quoi pour rien dedans? Marie-Jeanne Tabo Prégnini, tu as pris quoi pour rien dedans? Le jour que mon père m'a mis en train de mougou pour m'accoucher là, toi, Marie-Jeanne, tu étais présente. Tu avais dit aux gens que vous insultez les gens. Les filles de Saïwa n'insultent pas les gens. Mmh. La team Chaline n'insulte pas les gens. Les gens qui t'ont dit il faut venir parler là, que tu as parlé là, il faut aller leur dire que t'ont donné des faux conseils, puis tu es venu parler. Voilà. Comme tu es bête, et puis tu l'as conduit pour aller en haut là. Hein? Est-ce que tu sais ce que nous on sait de toi? Est-ce que tu sais
ce que nous, on sait de toi. Marie-Jeanne Tagbo. Tu sais ce que nous, on sait de toi. Votre groupe de méchanceté gratuite, là. Votre groupe de mauvaises personnes, là. C'est-à-dire que vous tous, là, c'est tout ce qui est mauvais que vous savez faire. Vous savez cogner les têtes. Vous savez rabaisser les gens. Vous savez humilier les gens. Il n'y a que ça que vous savez faire. Votre groupe, là, celui qui vous a formé, là, il vous a bien formé, hein. Dans la médiocrité, dans la méchanceté gratuite. Et puis, vous allez, on va vous donner ça, on va vous jeter aux chiottes. Oui, je le dis et puis je le redis. Moi, là, mes ancêtres, je ne joue pas avec. Ma maman adore l'eau. Ma maman, là, elle a fétiche l'eau. Voilà, elle adore ça. Oui. Aujourd'hui, toi, Marie-Jeanne, tu es où aujourd'hui? Tu es rejetée de partout. Tu as chié partout. Celle même pour laquelle tu as fait messe d'action de grâce. Mais tu ne peux pas inventer messe d'action de grâce faite pour maman Simone Babo et puis la même personne, tu vas venir la descendre. C'est que tu as un problème. Aujourd'hui, là, tu navigues où? Tu navigues entre le GPS et puis papa. Tu as envie d'aller au GPS parce qu'il y a ta copine qui est là-bas. Tu as envie d'aller au GPS. Pourtant que c'est... comment dirais-je? Tu as envie d'aller au papa-ci. Pourtant, papa-ci, là, tu as juré la maman ici, jusqu'en fatigué. Tu as fait jalousie ici, jusqu'en fatigué. Même Gbagbo Laurent, tu as insulté le sexe de Gbagbo Laurent ici. Tu sais que même toi, là, les vidéos sont là. Si tu branches, là, on va les sortir. Marie-Jeanne Tagbo, tu ne peux pas te mettre insulter notre icône. Gbagbo Laurent, là, c'est notre monument. Gbagbo Laurent, là, c'est notre gras de ciel. Voilà. Toi, Marie-Jeanne Tagbo, tu l'as injurié ici. Tu as injuré le vilain ici. Dieu fait grâce, bisous claqué. Momo cool, bisous claqué. Tu as injurié papa Gbagbo Laurent ici. Toi et ton partenaire, Willow et Jordan, vous deux. On n'a jamais insulté quelqu'un comme vous. Vous avez insulté le monsieur là. Juste quand même prononcer, parler de son sexe, que son sexe est sur son front. Aujourd'hui, là, toi, tu dis autre chose aujourd'hui. Tu es venu dire que la team Charlie, Charles Blé Boudé, je donne un conseil. Toi, tu as donné conseil à qui même? Tu es qui pour donner conseil? Marie-Jeanne Tagbo, vaurienne, méchante, insulteuse. Tu insultes ta camarade femme dans son con. Pourtant, toi-même, tu as con. Ton con qui est en bas de toi, là, c'est le même con que tu as, là, c'est le même con là que Sonaki a. Le même clitoris qui pend entre tes jambes, là. C'est le même clitoris là qui pend entre mes jambes. Tu me connais? Tu m'as déjà vu? Tu t'as une fois insulté? Non. Mais toi, tu es venu m'insulter à cause de qui? À cause de cette chose-là. Tu es descendu. Oui. Tu es dévalorisé. Tu ne vaux rien. Si le pépé, c'est comment on les appelle, mais le papa-ci. Si papa-ci te prend, c'est que vraiment, ils sont nuls. C'est qu'ils sont nuls. C'est toi là qui as insulté Nadi Bamba ici. Tu faisais jalousie de Nadi Bamba ici. Comme si tu t'étais marié à Gbagbo Laurent. C'est toi. C'est parce que ton gars, footballeur là. Donc toi, c'est quand même que tu te regardes, tu ressembles à la femme de footballeur. Go soyez là. Quand tu là, tu te regardes, tu ressembles. C'est nous là, on ressemble à la femme de footballeur. On a les styles, on est les stars. Nous, on ressemble à la femme de footballeur. Et puis, femme de footballeur là, moi là, j'en ai connu plein. Voilà. Nos grandes stars là, qui ont ma promotion là, j'en ai connu plein. C'est parce que aujourd'hui là, c'est Internet. Sinon, si en notre temps, il y avait Internet là, nous, là, notre nom allait être gâté. Hein? Faut aller poser question dans les anciens. Qui partait dans la coupe d'Afrique là. On va poser question. On va te dire qui est Sonaki. Toi, comme tu as chanté avec le joli Faye là. Toi. Il t'a jeté dada et puis il a pris en tièse. Faye, tu es méchante. Tu es méchante. Tu es une faurienne. Tu es méchante d'intérieur. Tu es méchante d'extérieur. Tu es très mauvaise. Et puis tu es vilaine. Tu as tous les défauts. C'est quel garçon qui va être avec toi? Je comprends pourquoi tu es dans ce que tu es là. Je comprends. Il y a une personne m'a appelé, la personne m'a dit que,
Je te dis ça là, même vraiment, voilà, tant. Il faut me dire. On m'a vendu la mèche il y a longtemps, mais tout, là, je ne parle pas. Tu es venu sur les filles de Saïwa. Oui, elles sont des broussades. Les broussades là sont mieux que toi. Toi, tu es une saleté, tu es une merde. Et tu craches, et puis tu ramasses, tu manges. Tu vomis, tu ramasses, tu manges. Tu chies, tu ramasses, tu manges. C'est quoi tu fonctionnes? C'est dans ça que tu es là. Tu as te comparer à Charles Blé Goudé. Tu as parlé de Charles Blé Goudé. Tu penses que Charles Blé Goudé est une merde? Il n'est pas une merde. Hein? Je vais vous passer un peu cette vidéo à la con là. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que maman Sonaki a dit. Vous, les mamans, vous, les papas, vous qui me suivez, vous avez vu. Ça, là, c'est plus de la politique qu'elles font. Oui, ceux qui disent sont activistes, moi, ils pensent que ce n'est pas la politique qu'ils font. Eux sont là pour les règlements de compte. C'est un règlement de compte, là. Parce qu'une femme. Une femme, tu dis, elle est digne, elle est fière d'être une femme. Elle ne peut pas venir parler de ces bêtises-là. Même si tu es venu répondre à une sœur qui t'a clashé, qui t'a humilié. Mais toi, tu as une manière, la sagesse doit rentrer dans ton corps pour venir répondre. Oui, de venir nous répondre. Pour que au moins ceux qui te suivent vont dire, ah, mais franchement, celle-là, ils l'ont clashé. Hein. Mais dame, elle est venue répondre. Elle est venue cadrer. Sa camarade, vraiment, elle est sage que sa camarade. On dit, dans la vie, si quelqu'un t'a fait du mal et il t'a pas tué, il faut dire Dieu merci. Aujourd'hui, elle t'a pas tué ou il t'a pas tué. Mais toi, ce qui Dieu te réserve là, c'est plus bon même que ce que la personne a fait sur toi. Donc arrêtez d'insulter, arrêtez de vilipender, arrêtez de rentrer dans vos parties intimes. Ça là, c'est. Attends. Parce que quand vous faites vos trucs, vous mettez Charles Blé Goudé ou soit vous mettez Laurent Gbagbo derrière. Mais vous avez un compte, vos règlements de compte privés. Vos règlements de compte privés là. Mais faites ça pour vous-même. Faites ça pour vous-même. Arrêtez de dire de n'importe quoi. On est fatigué de tout ça là. S'il vous plaît, quittez dans cette conteste là. Parlez. Des sensibilisations. Parlez à vos frères, à vos sœurs. Oui, parlez à vos frères, à vos sœurs. Parce que vous êtes là. Non, lui là, oui, dans mon truc, tu parles même. Oh, non, Seigneur, je ne sais pas. Et c'est si ça là, vous allez compter. Vous pensez que dans moi, vous vous insultez là. Le jour, ceux que vous-même vous supportez là, s'ils viennent au pouvoir là, vous pensez qu'ils vont vous appeler pour dire, viens à côté de moi. Non. La personne m'a dit, mais attends, celle-là, regardez son passé. Son passé, elle était en train d'insulter des gens. Elle était en train de répondre aux gens. Mais si elle vient dans nos groupes-là, c'est qu'elle va gâter le groupe. Elle va infecter le groupe même, à devenir le groupe des injures totales. Les choses, on ne fait plus. C'est vous, mais vous pouvez dire, hey, mes enfants, ah, arrêtez d'insulter. Hein. Ah, mes frères, arrêtez d'insulter. Vous, mais vous savez que oui, la femme même là, son corps est sacré. On ne dit pas des choses comme ça. Mais aujourd'hui, regardez, de nos jours, regardez sur les réseaux sociaux. Quand on compare la femme et l'homme, l'homme même, l'homme même est sacré maintenant que la femme. L'homme même est devenu sacré même que la femme. Parce que tu vois, sur les réseaux sociaux, il faut, pour être aimé, pour avoir des vues, pour avoir des abonnés. La femme est obligée de montrer son corps, ses parties intimes. Ses parties intimes. Mais vous, les vieilles comme ça, c'est vous qui pouvez dire, ah vraiment, on va sensibiliser la jeunesse. Surtout cette génération, il ne faudrait pas que... Et la génération à venir, là maintenant, là, c'est qu'elles ne vont plus porter caleçon pour faire des vidéos maintenant. Parce que ce qui actuellement, c'est que nous-mêmes, on voit là. C'est dégoûtant. Mais c'est grâce, c'est à cause de vous. Vous qui êtes, c'est les vieilles, vieilles comme ça, vous êtes là en train de parler des parties intimes. Oui, moi, mon parti intime est comme ça. Oui, pour toi, est levé comme ça. Pour toi, est ceci. Pour toi, est cela. Ah, quand même. Mais quand c'est une jeune fille vient te regarder, elle vient t'écouter, elle va dire, ah bon? Donc, ma mémé, là, même, regarde ce qu'elle est en train de dire. Ce que vraiment, ce que je suis là à faire là, c'est que c'est bon. Parce que quand vous faites comme cela, vous gagnez des vues, là, des petits enfants. Que vous avez laissé au pays.
Elles vont dire, ah bon? Donc, quand ma mémé dit des bêtises comme ça, là, elle a beaucoup de vues. Mais ce que moi aussi, je vais faire pareil. Mais vous ne montrez pas l'exemple à cette jeunesse-là. L'exemple que vous montrez à cette jeunesse, c'est l'exemple négatif. L'exemple même c'est une jeunesse même qui ne peut pas vraiment vous cerner. Arrêtez ça quand même. Moi, je pensais que vous qui êtes en Europe là-bas, c'est vous qui pouvez vraiment éduquer cette génération-là. Mais c'est vous êtes perdus. Vous êtes vraiment perdus parce que vous êtes focalisés sur les injures. C'est pas bon. Vous comprenez? C'est pas des choses qu'on fait. C'est sérieux. Donc vous voyez, non? Vous ne montrez pas l'exemple à cette jeunesse. Mais vous êtes là en train de dire n'importe quoi. Lui, il a fait ceci, celle a fait ceci, celle a fait cela. Non, à cause des politiques. Mais vous ne faites pas la politique. Sincèrement, vous ne faites pas la politique. Vous êtes là dans un clash inutile. Parce que si vraiment vous parlez de la politique, mais aujourd'hui, cette jeunesse veut la réconciliation. Cette jeunesse veut mieux comprendre si tous les leaders politiques, eux nous proposent quoi? Les gars se posent la question, mais c'est qui on va voter? Parce que si Papa Addo n'est plus là, c'est qui on va voter? Les Ivoiriens se posent des questions, mais vous êtes là. Ah, je défends tel, je défends Charles Begoudé, je défends Laurent Gbagbo. Oui, je dois insulter partie intime de ma camarade, de mon ami, pour dire non que oui, je soutiens ceci, je soutiens cela. Mais quand même, comment, mais on a qu'à se respecter quand même. C'est pour cela aujourd'hui, tu vois les jeunes filles, elles sont sur les réseaux sociaux, elles sont en train de montrer leur corps par-ci, par-là. Elles montrent leur corps. Mais tu... Parce qu'on ne peut pas. Tu vas parler, la mère va te dire, regarde ta grand-mère, tu es en train de... C'est insulté, qui est en train de parler de ses parties intimes. Toi, tu vas nous apprendre quoi? C'est quelle humiliation que vous nous montrez? C'est quelle humiliation que vous nous montrez? Vous-même là, vous qui avez... Vous... Ah merde, j'ai mal. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de voir nos mamans, nos mémés en train d'agir comme ça. Parler, non, toi, tu sortais un footballeur t'a laissé, oui, je suis ceci, oui, je suis cela, oui, viens. À cause de vous maintenant, aujourd'hui, pour se confier à quelqu'un, on a peur. Aujourd'hui, on a peur de se confier à une personne. Parce que si tu te confies à une personne, la personne que toi-même, tu t'es donné confiance là, demain, la personne, s'il ne t'aime pas là, il va aller dire ça. Tout ce que tu lui as dit là, il va aller rencontrer ça à quelqu'un d'autre. Demain, tu t'attends, voici. Ta vie privée, tu vas s'exposer maintenant. Bouh, on dit, voici ça, voici ceci, voici. Mais c'est quoi ça? Nous sommes sur quelle planète au juste? Dites-nous, nous sommes sur quelle planète au juste? L'Ivoirien est sur quelle planète? Parce que je ne peux pas comprendre que l'Ivoirien qui veut vraiment, qui veut progresser, ne peut pas imaginer comme ça. On ne peut pas être là. En train de dire non, moi j'aime pas ceci, j'aime pas cela, non, moi ici, mais nos mamans là même, regardez leur attitude, regardez comment nos mamans réfléchissent, regardez comment nos mamans raisonnent, regardez comment, mais on ne peut pas rester dans le fait de regarder. Quand même. Mes parents, arrêtez de vous insulter. Arrêtez. Vous êtes assez grand, vous êtes vieille. Oui, vous êtes vieille de réfléchir comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça aujourd'hui, arrêtez ça demain. La famille, vraiment, je ne peux pas être longue dans cette vidéo. Voilà, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.